conviction que le reste, le meilleur reste à venir. Et nous voulons te remercier pour cette parole que tu vas nous donner ce matin, qui va nous équiper. Et lorsque nous allons revenir pour la rentrée, pour nous, dans ce temps que nous allons dédier dans ce jeûne de Daniel, tu vas nous catapulter, Seigneur. Tu vas nous booster, Seigneur. Tu vas nous équiper, Seigneur, pour rentrer pleinement dans ce que tu as en réserve pour nous. Je décrète, Seigneur, ni rien ni personne ne passera à côté de ce que Dieu veut faire au sein de cette famille, ici au Bon Berger, ici dans notre église, ici dans notre ministère, ici dans tout ce que tu vas faire, Seigneur. Même au niveau apostolique, ce que tu as, le mandat que tu as donné à nos pasteurs, oh Dieu. Te disons merci. Merci pour ce temps que tu prépares. Parce que tu appelles déjà les cœurs. Nous décrétons que les finances ne seront pas limitées. Nous appelons les finances du nord au sud, de l'est, l'ouest, du centre, à venir afin que nous puissions accomplir tout ce dont Dieu nous a appelés. Nous décrétons des ressources humaines, des gens qui seront doués, équipés, qui auront les talents et les génies pour nous aider dans chaque département. Je prie, Seigneur, pour une inondation d'engagement dans chaque département, dans chaque ministère, au nom de Jésus. Je les appelle dans le nom de Jésus. Père, nous te disons merci. Merci que tu es Dieu. Et merci, Seigneur, nous savons que tu vas faire ce que tu as promis que tu feras. Et nous te disons tout simplement que nous, la famille du Bon Berger, on veut être ce canal au travers lequel tu vas te démontrer. Utilise-nous comme un panneau de signalisation pour ce monde. Utilise-nous, Seigneur, comme un témoignage vivant que nous allons démontrer que l'heure arrive, que le monde arrêtera de se moquer. Ils sauront que Dieu existe, que Dieu est vrai et que Dieu est vivant. Alléluia. Nous acceptons ce mandat. Est-ce que vous acceptez cela à l'église? Je vais entendre un amen. Est-ce que je peux entendre un amen pour tous ceux et celles qui s'engagent vis-à-vis de Dieu ce matin? Merci qu'il y aura une liberté dans la révélation. Une liberté dans la démonstration des dons de l'Esprit. Une liberté dans le miraculeux. Une liberté dans non seulement, Seigneur, comme nous venons tout juste de dire, je crois que c'est prophétique, dans l'expansion. Et l'extension. Tu vas non seulement élargir l'Église, mais tu vas étendre l'Église. De part et d'autre, du nord au sud, de l'est, l'ouest au centre. Et que nous allons y aller pour impacter, pour influencer pour ton royaume. Au nom de Jésus et toute l'Église, dites un grand... Oh, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour cela? Gloire à Dieu! Alléluia! Wow! Merci! 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 Oh, remercions le groupe de louanges pour ce magnifique travail. Est-ce qu'on peut les applaudir pour les remercier? Wouh! Alléluia. Tu sais, si tu veux... tu veux qu'il y ait une percée dans ta vie... Tu dois apprendre à être flexible. Flexible à Dieu, flexible à son esprit, flexible à la façon que Dieu veut conduire les choses. Des fois, nous, êtres humains, on est tellement attachés à nos rituels et des fois, on a peur de sortir de l'inconnu. C'est ce qui nous fait peur, en fait. C'est l'inconnu. Mais ce que j'aime bien, c'est que Dieu a déjà été là-bas avant nous. C'est pour ça qu'il est revenu pour te dire derrière maintenant, ne crains point, je suis avec toi, vas-y, fonce. Oh, j'attendais que quelqu'un ici, dans ce lieu, puisse dire Amen.
Suis-je à la bonne adresse ce matin? J'aimerais juste rapidement, pour le temps qu'on reste, vous savez, je ne pouvais pas juste venir prêcher et ne pas faire ce que j'avais à cœur de faire. Je pensais que c'était bien de prendre ce temps-là et terminer, clôturer cette saison que nous venons de commencer l'année dernière et de dire merci à mon Dieu. Et peut-être c'est une manière aussi de t'enseigner que quand tu commences une saison, tu remercies Dieu et quand tu la termines aussi, tu remercies Dieu. D'ailleurs, nous, à JBB, aux jeunes du Bon Berger, on l'a fait. On a pris notre dernière réunion, on a pris un temps juste free dans la présence de Dieu. Libre, loué, adoré et de dire merci. Je vous dis, des paroles prophétiques sont sorties, des paroles vraiment que confirmation sont venues parce que Dieu parle de nos jours. Vous n'êtes pas convaincu de ça? Je vous dis, Dieu parle. Je suis content parce que Dieu nous montre qu'il a pu parler à Samuel qui était très jeune, ce qui veut dire qu'il parle aux jeunes du bon berger. Alors si Dieu parle aux jeunes du bon berger, Dieu parle aussi au bon berger. Allô? Alléluia. Juste pour quelques minutes, j'aimerais peut-être essayer de... Waouh, ils sont excités là-bas, il y a le feu de Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Je sais pas, j'aimerais être là-bas, pas vous. Ils ont l'air de s'éclater là-bas. Savez, pendant que j'étais en train de préparer, et ça faisait partie de ce que je viens de faire par rapport à prendre un temps, et de prendre un, de remercier Dieu, j'aimerais aussi que vous n'arrêtiez pas là. J'aimerais que vous alliez chez vous, si vous prenez un temps, et vraiment remercier Dieu. Je ne peux pas. Une fois, je me rappelle, j'étais dans l'intercession un jeudi, je conduisais. Et j'ai pris à peu près presque 30 minutes, si je ne me trompe pas. Et quelqu'un est venu vers moi et me dit, j'étais surpris de voir combien de temps tu prenais. Hey, tu sais quoi? Je pense que je prendrai toute ma vie pour remercier Dieu. Quand je pense à toutes les choses qu'il a fait pour moi, je ne peux pas m'empêcher et m'arrêter de le remercier. Gloire à Dieu. Et juste parce que nous rentrons dans un temps assez important, dans un temps estival, j'aimerais vous essayer, j'espère que j'aurai le temps, de vous parler sur trois points importants. Le premier point important que j'aimerais souligner, c'est Dieu est l'inventeur du repos. Dieu est l'auteur et l'inventeur du repos, tandis que l'homme est l'inventeur et l'auteur des vacances. Ah, vous êtes surpris. J'aimerais aussi aborder le mythe du mot RIP, qui veut dire rest in peace, qui veut dire repose en paix. J'aimerais aussi pouvoir avoir le temps de vous partager ce que vraiment le Seigneur m'a mis à cœur, c'est d'être sur nos gardes et mieux comprendre les stratégies de l'ennemi. Donc, nous allons commencer, gloire à Dieu. Vous êtes prêts? Écoutez, juste pour une question de temps, si on peut juste faire vite. Je vais vous donner les citations. Vous n'avez pas besoin d'ouvrir votre Bible. Faites-moi confiance. Je vais juste vous lire les versets. Vous pouvez faire ça? Tu sais quoi? Ce que j'ai découvert, c'est que Dieu est non seulement l'auteur, Dieu est non seulement celui qui a inventé le repos, il pratique le repos. Alléluia. Genèse, le chapitre 2, le verset 2, il dit: Dieu acheva au septième jour son œuvre qu'il avait faite et il se reposa. Dieu se repose. Quelqu'un dit: Dieu se repose. Donc, soulignez ceci. Donc, Exode, le chapitre 20, le verset 8 à 10, il dit: Souviens-toi du jour du repos. Je n'ai pas envie de rentrer dans le mot Shabbat, vous savez, j'ai oublié de prendre la date. En tout cas, pasteur Robert, je ne sais pas, il y a à peu près deux ou trois messages, si je ne me trompe pas, qui a bien étayé, mais décortiqué le mot Shabbat. Et vraiment, si vous avez envie d'avoir une vraie définition, allez écouter Pasteur Robert sur YouTube, vous allez avoir vraiment une bonne explication de cela. En tout cas, mon travail ce matin, c'est surtout toucher quelques points importants. Il dit, Exode 20, le verset 8 à 10, souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Sanctifier veut dire mettre à part. Tu travailleras 6 jours et tu feras de ton ouvrage, mais le septième jour, quelqu'un dit septième jour. Et c'est vrai que des fois, on accentue sur le fait, oui, mais septième jour, c'est quand ton septième jour? Écoute, je ne suis pas là pour débattre sur tout ça, qu'il soit ainsi selon ta foi. Alléluia.
Tout le monde est d'accord? Et ensuite, Marc, le chapitre 6, le verset 31, Jésus leur dit, venez à l'écart dans un lieu désert et reposez-vous en paix. Je sais, ça m'a quand même un peu, je ne dirais pas perturbé, je me suis dit, Jésus veut du repos. Alléluia, c'est bonne chose, n'est-ce pas? Donc, nous comprenons la notion du mot repos n'a rien à voir avec la notion du mot vacances. Est-ce que cela veut dire que nous devrions arrêter de prendre des vacances? Je vous laisse répondre. L'homme est l'auteur et l'inventeur des vacances. Et non seulement il est l'inventeur et l'auteur des vacances, l'homme croit en cela et l'homme pratique. La notion des vacances, pour la plupart, c'est quoi vraiment? Se lâcher, se relâcher, se laisser aller. Plus de limites, profiter à un max. Faire des nouvelles découvertes, ça c'est la notion des vacances. Faire des nouvelles rencontres. Si vous ne bougez pas trop les jeunes, on saura qu'on ne parle pas de vous. Et malheureusement, le monde a adopté cette notion sans nous rendre compte, nous, Église, sanctifiés que nous sommes, sauvés que nous sommes, remplis du Saint-Esprit, ayant pris le baptême d'eau, parlant en langue, jeûnant et priant 21 jours de jeûne pour le jeûne JDD, jeûne de Daniel, gloire à Dieu, nous pratiquons les mêmes choses. Allô? Bougez pas trop, on saura qu'on ne parle pas de vous. Et malheureusement, bien-aimés, l'Église a aussi adopté cette attitude et cette mentalité mondaine de vacances. Le problème principal dans la vie de l'Église de nos jours, l'Église du XXIe siècle, c'est que les croyants n'ont pas une intelligence renouvelée. Deuxièmement, les croyants ne savent pas gérer une vie spirituelle pendant les vacances. Parce que la plupart du temps, c'est que quand je pars en vacances, Shalom Jésus, on se voit en septembre, JJDD, hein? L'Église, c'est ce que l'Église pratique aujourd'hui. Et après, on se demande comment ça se fait qu'il y a tant de rendez-vous pastoraux au mois de septembre. Comment ça se fait qu'on a autant de problèmes lorsqu'on sort des vacances? Le problème, c'est que nous, l'Église, au lieu d'adopter une pensée renouvelée en accord avec le Nouveau Testament, nous avons adopté le concept humaine, mondaine. Les conséquences de tout cela, qu'est-ce qui se passe? Nous revenons des vacances, un état de fatigue spirituelle. Nous rentrons des vacances avec un état de lourdeur, d'apaisanteur. Nous venons des vacances avec un état de non. C'est pas la main, ma tête n'écoute pas. Un état de nonchalance, un état de paresse, un état d'âme ne plus avoir la force pour combattre. Perte de rythme dans notre marche avec Dieu. Plus envie de lire la Bible, plus envie de prier. Quand on dit, on commence le jeûne de Daniel. Je me dis, si on peut cibler ce problème, on peut peut-être solutionner la rentrée pour le mois de septembre. Vous êtes avec moi? Les effets. Maintenant, je vous ai parlé les conséquences, les effets. Manque de faim et de soif pour Dieu. Ne plus prier, ne plus lire sa Bible, ne plus passer du temps à part avec Dieu, ne plus pratiquer le jeûne. C'est quoi le jeûne? Moi, tu sais, si je ne mange pas, je meurs. Ne plus participer à des réunions, si ce n'est qu'être fidèle pour des réunions telles que la Pâque, la Pentecôte, Noël, Réveillon de Nouvel An, ainsi de suite. Perdre des réflexes dans le combat de la foi. Tout cela causé par cette lourdeur de nonchalance et de paresse qui s'est installée après un temps de vacances. Mais bien aimé, je suis venu vous dire de la part de votre Dieu. Oui, Dieu veut que vous ayez des vacances, mais Dieu veut que vous pratiquiez le repos pendant les vacances, non pas pratiquer les vacances pendant les vacances. La volonté de Dieu pour vous et moi, c'est que vous et moi, nous soyons dans le repos. Quelqu'un dit dans le repos.
Regarde la personne à côté de toi, dis-lui, Dieu veut ton repos. Dis-lui trop fort. Si, dors, tu vois, secoue-le un peu. Je te donne la permission, gloire à Dieu. 1 Thessaloniciens, le chapitre 5, le verset 23, l'apôtre Paul définit l'être humain. Il dit que Dieu sanctifie tout votre être, esprit, âme et corps. Ce qui veut dire que Dieu veut le repos de ton esprit. Quelqu'un dit le repos de mon esprit, le repos de mon âme et le repos de mon corps. Remarquez bien, les trois sont très distincts. Et malheureusement, si on n'apprend pas à faire les bons choix, c'est-à-dire pratiquer le repos et non les vacances, ce qui va se passer, c'est que toi et moi, on va revenir pour le début de septembre avec cet état de apesanteur, de lourdeur, de nonchalance et de paresse spirituelle. Au lieu de venir prêt, lorsque l'Église va décréter ce départ du jeûne de Daniel, on est déjà boosté avant même qu'on rentre dans le jeûne, gloire à Dieu. On n'a pas besoin du jeûne pour nous booster. Et croyez-moi qu'il y aura un changement pour ce temps de jeûne cette année. Si tu commences comme ça, crois-moi, rien que la première semaine, on va rentrer pleinement dans ce que Dieu en réserve pour nous. On n'a pas besoin de lutter. Parce que le problème, c'est qu'on oublie qu'on est une famille. Tu sais, comme nous disons tous que nous sommes le corps de Christ, n'est-ce pas? Tu sais, quand ma tête fait mal, mon pied ne me dit pas, ouais, mais moi, je m'en fous de toute manière, ce n'est pas moi qui ai mal. Non, lui aussi, il souffre. Parce qu'il fait partie du corps. Et c'est pareil aussi. Donc, si nous tous, nous pouvons adopter cette mentalité de commencer à pratiquer le repos. D'ailleurs, le mythe de RIP, laissez-moi corriger cela parce que beaucoup de fois, on entend cela. Écoutez, je ne suis pas en train de critiquer quiconque, mais laissez-moi clarifier quelque chose, s'il vous plaît. Je suis fatigué de voir des statuts sur Facebook RIP. Rest in peace, repose en paix, quelqu'un qui est parti. Je dis, gars, si cette personne n'a pas pris la décision de recevoir Jésus, je ne crois pas son âme est en paix. Il faut faire attention. Malheureusement, nous aussi, nous sommes en train d'avaler toutes ces ordures que le monde est en train de tous ces déchets que le monde est en train de nous jeter. D'ailleurs, dans Luc, le chapitre 16, vous savez, il donne l'histoire de deux hommes. Il y en a un qui était Lazare, l'autre qui était riche. Les deux sont morts. Il y en a un qui est parti en bas, l'autre qui est parti en haut. Et l'autre le voit et lui dit, écoute, s'il te plaît, dis-lui de retourner, tremper son doigt. Bref, ce qu'on oublie des fois, bien-aimés, nous l'Église, on oublie de dire les gens que si tu meurs, ça n'est pas fini. Il y a une vie après la mort. Il faut leur dire. Écoute, on n'a pas besoin d'être méchant avec les gens. On a juste besoin de les dire. Je dis, écoute, rassure-moi, tu dois prendre ta décision avant de quitter cette terre parce qu'une fois que tu quittes ce corps, c'est fini. Ta décision dans le corps détermine ta destinée éternelle. Mon frère, ma sœur, alors s'il te plaît, fais le bon choix. Tu vois, on doit leur dire, comme Actes 4, 12 dit qu'il n'y a pas aucun autre nom qui peut être sauvé si ce n'est que le nom de Jésus. Alors, le salut se trouve qu'en lui seul. Allô? Parce qu'il y en a qui disent, oui, mais tu sais, la religion, comment ils disent ça? Ah, Seigneur, ramène ça à mes pensées, s'il te plaît. La religion juive a une évolution, est devenue chrétienne. Et la religion chrétienne est devenue une évolution, est devenue musulmane, c'est ce qu'ils disent. Moi je dis que Dieu a dit, voici je vous ai envoyé la dernière personne au travers lequel je vous ai parlé. Dieu a dit quand Jésus est venu, il n'y a pas d'autre prophète qui va venir après lui. Il est le dernier Adam. Et ça, on doit solutionner aussi ce genre de problème. Et même nous aussi, on doute toujours, mais tu sais, Dieu est gracieux, Dieu est gracieux, Dieu est amour. Si tu ne prends pas la décision de ton corps avant de mourir, laisse-moi te dire, une fois que tu meurs, si tu as refusé Jésus, ta destinée c'est l'enfer. D'ailleurs, l'enfer n'a pas été créé pour les hommes. L'enfer a été créé pour Satan et ses anges déçus. Mais maintenant, tous ceux qui refusent, écoute, ce n'est pas le péché qui va envoyer les gens dans l'enfer, c'est le refus d'accepter Jésus. C'est une grande différence.
Alléluia. Oh mon Dieu, mon temps. Est-ce que ça vous a aidé? Écoutez bien aimé, réalisons l'importance du repos. Dieu veut que nous pratiquions le repos afin d'être en forme et en bonne santé. Et des fois on oublie ça. Dieu veut que tu sois en forme, en bonne santé spirituellement, psychologiquement, émotionnellement, mentalement et physiquement. La raison pour laquelle c'est que beaucoup d'entre nous ne sommes pas en train de faire attention pour pratiquer le repos, c'est pourquoi on a des défaillances, soit spirituellement, il y en a qui font des accidents de parcours, des breakdowns, ou sinon il y en a qui font des breakdowns émotionnels, ou sinon des breakdowns physiques, en tombant malade. L'une des raisons, c'est qu'on n'a pas appris à pratiquer le repos pour notre esprit, le repos pour notre âme et le repos pour notre corps. C'est très important. Alléluia. Amen. Rapidement. Tout notre être a besoin de repos. Quelqu'un dit tout mon être. Mon esprit, mon âme et mon corps. Jésus croit dans le repos. Tu sais ce qui est surprenant, que la Bible dit que Jésus a pris ses disciples, Marc chapitre 6, je vous ai dit verset 31, il a ramené dans un lieu quoi? Dans un lieu quoi? Et nous allons en vacances au bord de la plage. Non, je vais être sincère avec vous. Dis-moi comment tu peux être en repos en voyant une bande de personnes qui marchent en bikini. Non, dis-moi, comment tu peux être en repos? Tu es bombardé par des pensées impures, des pensées vraiment que tu ne sais même pas et tu dis, mais est-ce que vraiment je suis sauvé? Écoute, je vais être franc avec vous, vous savez, ne bougez pas trop parce que des fois on a peur de parler ce genre de choses. Mais moi j'aime bien parler des choses franchement et clairement. Dis-moi comment, lorsque toi et moi, on se retrouve à la plage, au bord de la mer, on peut être en repos. Est-ce que tu crois que ton âme est en repos? Les frères. Aidez-moi, là, bon sang. Et nous disons, nous sommes en repos, en vacances. Merci, pasteur Jean-Pierre. J'étais parti bien en vacances, je suis retourné. Peut-être tu ne pratiques pas ce que Jésus dit. Il dit, il s'est mis dans un écart. Tu vois, c'est très important. Est-ce que je suis en train de dire qu'il faut arrêter à la plage? Écoute, je suis un gars des îles. J'aime bien la plage, j'aime bien... Mais c'est que j'essaie de vous dire. Pourquoi j'ai sorti ça, Seigneur? Ce que j'essaie de vous dire, c'est que des fois, on pratique mal certaines choses selon la Bible. Qu'est-ce qui nous fatigue vraiment? Je vais juste clôturer ceci et puis peut-être une autre fois, j'aurai l'occasion de revenir dessus. Une question de temps. Je n'ai pas envie de passer à côté de ce temps de louange et d'adoration. Je crois que vraiment on doit terminer ce temps de louange et d'adoration avec cette réunion aujourd'hui, juste un temps d'action de grâce. Il y en a beaucoup de choses que j'attends de la part de Dieu. Je vais commencer à le remercier déjà. Amen. Est-ce que vous vous rappelez que Jésus était en train d'exercer le ministère? La Bible dit qu'il y avait une femme qui avait une perte de sang. Vous connaissez tous l'histoire, je n'ai pas envie de perdre du temps par rapport à ça. La Bible dit que lorsque la femme lui a touché, il y a une force qui est sortie de lui. Selon vous, la force provenait d'où? De son esprit. Ce qui veut dire que lorsque toi et moi, on exerce le travail ministère, qu'on exerce le travail de l'intercession, qu'on exerce le travail de combat spirituel et quand on subit des pressions dans la tentation, on est en train de puiser notre force. Oh. Je vais vous dire, si quand j'étais venu d'être sauvé, quelqu'un m'aurait dit ça, j'aurais été un géant aujourd'hui. Ah oui, parce que je ne savais pas. Parce que je ne savais pas qu'à chaque fois que Satan est en train d'injecter une tentation dans ma vie, cela est en train d'affaiblir ma garde. Cela est en train de causer une ouverture dans mon bouclier. Et cela, vous savez, là je suis en train de prêcher, il y a une force qui est en train de m'épuiser. Si je ne fais pas en sorte de renouveler, je risque d'avoir
un breakdown spirituel. Voilà pourquoi beaucoup, il y en a qui exercent ce ministère, qui ont des breakdowns. Vous savez, il y a burn-out, comme on dit le mot anglais. Parce qu'ils donnent beaucoup, ils s'usent, mais ils ne se rechargent pas. Ils ne font pas la distinction entre le repos de l'esprit, le repos de l'âme et le repos du corps. Les trois ont besoin du repos. Allô ? Vous aimez ça ? Oui ? Puisque vous aimez, on va terminer alors. Lorsque toi et moi, on n'est pas en train d'exercer le ministère que Dieu nous a donné en tant que croyants. Vous savez qu'il dit, Marc 16, ceux qui auront cru vont chercher des démons, parler de nouvelles langues. Qu'est-ce que cela veut dire? On rentre dans le camp adverse, on cause des dommages. Que ce soit dans l'évangélisation, que ce soit dans l'intercession, que ce soit le combat de la foi ou sinon faire face à des tentations. Lorsque toi et moi, on n'est pas en train de faire ça, on est en train de se reposer. C'est la raison pour laquelle toi et moi, il faut prendre du temps pour sortir du cadre. La Bible dit que Jésus a été dans un lieu quoi ? Qui veut dire que tu dois te mettre... Enfin, ça ne veut pas dire que tu dois aller dans le désert Sahara, non. Je ne suis pas en train de prêcher ça, hein ? D'accord ? Soyons clairs. Ce que j'essaie de te dire, c'est que tu dois te mettre à part dans un lieu pour te ressourcer. Comment se ressourcer ? Quelqu'un dit comment ? Parce que laisse-moi te dire, tu sais ce que j'ai découvert pendant que je préparais cela, pasteur Jean-Pierre ? J'ai découvert lorsque moi, Samuel, je suis fatigué spirituellement, cela impacte mon état physique, cela impacte mon état émotionnel, cela impacte mon état physique et même mental. Et c'est là que je me rends compte, je dis, ah, bien vu, Saint-Esprit. Parce qu'on ne se rend pas compte quand lorsqu'on est fatigué spirituellement, cela affecte tout notre état d'âme. Et on oublie ça. Tu vois ? Vous aimez ça ? C'est la raison pour laquelle il faudrait nous reposer et recharger nos batteries. Quand nous exerçons le ministère, nous intercédons, quand nous faisons le combat spirituel, quand nous faisons face à des tentations, nous nous épuisons. Notre esprit, notre homme intérieur a deux options. Soit il souffre parce qu'il est faible et épuisé, soit il domine parce qu'il est fort et rechargé. Oh mon Dieu ! Alléluia ! Je vais terminer avec ceci. Comment obtenir le repos de l'esprit ? Et je vais terminer. C'est pour cela qu'il est très important pour que vous et moi, bien-aimés, nous puissions veiller sur le repos et le bien-être de notre esprit, de notre homme intérieur. Les éléments qui contribuent au repos et à la recharge de notre esprit, de notre homme intérieur, premièrement, quelqu'un dit la prière. Matthieu 26, 41 dit « Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation ». Ce qui veut dire que m'équiper dans la prière va me donner une force surnaturelle de mon habilité que je ne peux pas faire. Lorsque je prie, il y a une force surnaturelle qui vient de la part de Dieu qui me donne la force de faire face, obstruction et résister les forces démoniaques. Deuxièmement, la parole de Dieu, Matthieu 4, 4, il dit, Jésus dit que vous ne vivrez pas que de kebab seulement. Oups. Ça aurait pu être bien si j'ai été en Alger, au fait. Mais, puisque je... Oh, j'aime bien mon kebab. Je préfère en profiter parce que jeune de Daniel arrive. Bref. Jésus a dit, vous ne vivrez pas que de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire? Que la parole de Dieu est une nourriture qui nourrit mon esprit. Ah ah. Allô? Tu comprends maintenant pourquoi le diable est en train de te terrasser pour que tu ne lis pas ta Bible, pour que tu... Maintenant, écoute, on n'a plus d'excuses. Quand je suis fatigué, mes yeux sont fatigués pour lire, je mets une Bible audio, me parle. Ouh, chakalabre, kese. Oui. Je dis, diable, tu vas faire quoi? Mes yeux sont fatigués? Pas mes oreilles. Gloire à Dieu, je fais play! Et la parole me parle, gloire à Dieu, alléluia. Je vous ai dit, la raison pour laquelle vous voyez des fois, il y a comme si une révolution, il y a comme si une explosion qui se passe parce que j'entretiens. Alléluia. Tu sais, le fait qu'il y a juste de la cendre, c'est une preuve qu'il y avait du feu. Mais quand il y a la chaleur, alléluia, c'est une preuve que le feu brûle, gloire à Dieu. Brûle en moi, Seigneur. Quelqu'un dit brûle en moi. La louange et l'adoration. La Bible dit que, psaume 22, verset 4, il dit « Dieu siège au milieu des louanges de son peuple ». Ce qui veut dire que lorsque toi et moi, on prend un temps, louange et l'adoration, Dieu rentre en scène.
Et quand Dieu rentre, crois-moi, il vient avec la force, il vient avec sa courage, il vient avec la puissance, il vient avec l'onction, il vient avec la liberté de gloire à Dieu. Lorsque moi, je suis comme ça, lorsque je commence à louer Dieu, tu sais, ça commence comme ça, je suis fatigué, tu dis, oh, louer Dieu, oh, louer Dieu, oh, alléluia. Et je commence à louer Dieu, et je mets mon CD de louange, gloire à Dieu, alléluia, toute louange, et à notre Dieu. Et puis d'un seul coup, après 2 minutes après, je suis en train de sauter, crier, jusqu'à ce que ma femme me dise, calme-toi Sam, on a des voisins ici. On veut rester en paix ici, gloire à Dieu, alléluia. Puis demander à ma femme, je veux dire, moi je suis parti, moi je suis perdu, je suis là-haut, gloire à Dieu, alléluia, je suis parti. Après j'ai dit, mais c'est bizarre ça, oui, cette fatigue. Alléluia, oui, oui, cette défaillance spirituelle, partie. Priez en langue. La Bible dit, en Corinthiens, le chapitre 14, le verset 4, il dit que celui qui prie en langue édifie lui-même. Vous vous rendez compte pourquoi le diable veut attaquer le fait de ne pas prier en langue? Pourquoi? Parce que cela régénère notre force spirituelle. Alléluia. Le jeûne, la Bible dit que, Luc, le chapitre 4, le verset 14, la Bible dit qu'après le temps de jeûne, et de prière, Jésus sortit du désert et était revêtu de la puissance. Luc le chapitre 4, le verset 14. Ce qui veut dire que le jeûne va te revêtir d'une force surnaturelle pour t'équiper, pour que tu sois fort spirituellement. Oh, je vais m'arrêter là, alléluia. Bien-aimés, je vous encourage, s'il vous plaît, ne laissez pas le diable vous mentir. Est-ce qu'on peut avoir le groupe de louanges, s'il vous plaît? Vous n'êtes pas supposé de pratiquer les vacances. Apprenez à pratiquer le repos pendant les vacances. Confessons cela. Père, on peut faire une prière de repentance? Ou il n'y a que Samuel qui doit le faire? Alors, levons-nous, puisque le groupe de louanges est en train de prendre place. Levons-nous, bien-aimés. Disons, Père, au nom de Jésus, je te demande pardon pour toutes ces fois que j'ai pris des vacances, je me suis laissé aller, endormi, laissé la paresse, nonchalance m'envahir. À partir d'aujourd'hui, je prends la décision de prendre le repos pendant mes vacances. Et au nom de Jésus, je rentrerai fort et je sortirai fort pour arriver ici au mois de septembre pour le jeûne de Daniel, fort et puissant, et rentrer pleinement dans le destin de Dieu. Aucun diable, aucun démon, aucune circonstance, ni rien, ni personne ne pourra m'arrêter. Au nom de Jésus, oh, acclamons le Seigneur, gloire à Dieu! Que Dieu vous bénisse. Merci. Juste avant de prendre le temps d'adoration, ce matin, au volant de ma voiture, le Seigneur m'a dit quelque chose que j'aurais dû livrer avant. Je n'ai pas fait. Je le livre maintenant. Il m'a dit, je veux que mon peuple comprenne et s'applique dans le repos, le même mot, repos, selon mon cœur. Et j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que c'est le repos selon ton cœur? Et, voilà, et la chose qu'il m'a dit, c'est presque mot à mot ce que le pasteur Samuel a dévoilé. Le repos, R-E-P-O-S, peut se résumer en R pour rafraîchissement, E pour écoute, P pour la paix, O pour l'obéissance, S silence, un temps où on entend non seulement la parole, non seulement la voix de Dieu, mais franchement les battements de son cœur. Ce repos-là, selon le cœur de Dieu, va déclencher en nous une force, une énergie, un dynamisme, une vigueur qui est surnaturelle, parce que nous sommes un peuple surnaturel. Amen. Que Dieu vous bénisse. J'étais brisé, vidé sans espoir. Ta grâce m'a trouvé, m'a restauré. Je n'ai rien à moi, mais tel que je suis.
va continuer à adorer avec ce chant le Seigneur, mais simplement je demandais au groupe de, du conseil spirituel de venir me rejoindre. Et je sens par rapport à ce que le pasteur Samuel a prêché, certains d'entre vous, bon c'est vrai que c'est le temps de vacances, mais il y a des personnes qui sont tellement chargées, et c'est pas simplement pendant les mois de vacances, mais c'est toute l'année. Et Dieu veut vous donner du repos ce matin. Peut-être tu dis, voilà, ma tête est bombardée, je suis dans un gros gâchis, je ne sais pas comment m'en sortir, et j'en ai assez, je veux vraiment me reposer dans le Seigneur. Ça ne veut pas dire que tu vas abandonner, tu vas te laisser aller, mais tu vas laisser le Seigneur te renouveler tes forces pour pouvoir aborder ce combat, pour pouvoir aborder cette épreuve avec sa grâce et avec, en ayant cette assurance que Dieu est de ton côté. Donc si tu es dans un combat aujourd'hui, si tu es fatigué, si tu es chargé, alors on va prier avec toi afin que le Seigneur te donne ce repos, afin que les inquiétudes, les choses avec lesquelles tu es bombardé ne te terrassent pas et tu es même au bord de tout abandonner, de tout lâcher. Mais ce message n'est pas simplement pour les vacanciers, il est pour les personnes qui ont besoin de repos. Et si tu as besoin de repos, alors viens, on va prier avec toi et le Seigneur va vraiment te libérer et te faire voir les choses selon sa perspective. Il y a eu un temps dans ma vie où je me sentais complètement bombardé. Et à un moment donné, tu ne sais plus quoi faire. Tu as prié toutes les prières que tu sais faire, avec toutes les méthodes de tous les grands prédicateurs, de tous les grands prières, avec les jeunes, et il semble que rien ne se passe, et que tu sembles encore plus bombardé qu'avant, et on dirait que tu es encore plus dans la confusion qu'avant. Et tu as encore plus de poids qu'avant. Et le Seigneur, une fois, m'a dit, tu as besoin de monter sur ma montagne. Parce que sur la montagne du Seigneur, les problèmes sont toujours là, mais ils ont une autre perspective. Donc tu as besoin de te rafraîchir et d'avoir ce repos, avoir les yeux du Seigneur pour pouvoir aborder la solution du Seigneur. Amen. Donc si tu as besoin de repos, si tu es chargé, si tu es au bout du rouleau, comme on dit, on va prier avec toi afin que le Seigneur renouvelle tes forces, te régénère et que tu vas repartir avec sa force et sa joie. Amen, on va continuer à chanter. Donc si c'est toi, approche-toi. Et maintenant je vois. Je vois l'amour, la grâce dans tes yeux. Donnant ta vie pour moi.